chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Saúde Je a salue à todos, com a tous paz dans la paix du Seigneur Jésus. Celle-ci est une émission de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée spécialement pour vous et pour toute votre famille. Et dans le programme d'aujourd'hui, dans le tableau Leçon du Manaïm, nous allons continuer à aborder la thématique Le Seigneur Jésus et l'Ancien Testament. Les pasteurs Daniel Morir et Serge Souza vont continuer à parler sur les révélations à propos du Seigneur Jésus dans le tabernacle. Dans le tableau Accessibilité, la professeure Yara Lift va aborder la thématique en développant l'autonomie pour les enfants avec le syndrome de Down. Dans Parfaite Louange, la professeure Zumak va enseigner le violon, la guitare. Dans l'étude pour les enfants, la professeure va parler sur Jésus et le castissal en or. Pendant toute la programmation annonçant l'Évangile éternel, nous montrons des images des Manaïm dans tout le Brésil. Aujourd'hui, nous allons faire une compilation de ces Manaïm. Le mot Manaïm signifie campement des anges. Et l'objectif, c'est d'offrir un local réservé, agréable parmi la nature où les membres de l'Église chrétienne Maranatha et même ceux qui nous visitent puissent vivre un moment de profonde communion avec Dieu. En laissant pour un peu de temps la course et les distractions de la vie quotidienne. Aujourd'hui, on a environ 60 Manaïm pour tout le Brésil, en plus de Manaïm de Lisbonne au Portugal. Aujourd'hui, tous les Manaïm du Brésil à l'étranger sont reliés via satellite, ce qui permet qu'en plus d'être un seul corps, nous ayons aussi un seul enseignement. Aller au Manaïm signifie expérimenter quelque chose de complètement différent. C'est d'avoir toutes les ressources pour passer des moments de profonde communion avec le Seigneur. Le Manaïm, c'est un endroit d'enseignement de la parole et de la doctrine qu'elle révèle. C'est un endroit de la famille, un endroit de prière, un endroit de la louange, un endroit de communion. Dans le livre de la Genèse, chapitre 32, versets 1 et 2, la Bible enregistre l'expérience de Jacob et la raison par laquelle il définit le nom à un endroit tout spécial. Quand il dit, il a été aussi Jacob dans son chemin et l'ont retrouvé les anges de Dieu. Et Jacob a dit qu'on les a vus. Voici l'armée de Dieu. Il Et chamou appelé o le nome nom de daquele cet lugar, endroit Manaim. Manaïm. Thank you.
Através do quadro Lições de Manaíma, nous partageons des enseignements qui sont donnés dans cet endroit. Et aujourd'hui, les pasteurs Daniel Moreira et Sérgio Souza vont continuer à parler sur le tabernacle, comment nous pouvons voir prophétiquement la personne du Seigneur Jésus. Ça, c'est le tableau Leçon de Manaïma. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Sérgio, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur à tous. C'est une satisfaction de compter avec votre audience. Nous avons reçu divers messages avec les témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous pouvez aussi participer. Vous voyez à l'écran un code, le QR code. Vous pouvez approcher la caméra de votre smartphone vers ce code. Vous allez être dirigé vers le numéro de WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez votre expérience, votre témoignage, votre suggestion, votre question. Nous allons citer quelques messages que nous avons reçus de dernier week-end, de Zelda Karakura de Londrina au Paraná, qui dit « Il est merveilleux de connaître les mystères du tabernacle qui pointent vers Jésus révélé et son merveilleux projet de salut. » Aussi Rebecca Cassia Silva de la ville de Formiga, Minas Gerais, nous a écrit « Quelle bénédiction est le porin pour ma famille ?» Comprendre les mystères du Seigneur Jésus à l'Ancien Testament édifie notre vie. De Goiânia, dans l'état de Goiás, Wagner Lamone nous a écrit « Après passer par la porte du tabernacle, la première chose à voir et qui se voyait, c'était l'autel des holocaustes. » Il rajoute « En montrant que... Quand on connaît le Seigneur Jésus, nous avons nos péchés effacés. » Maria Aparecida, de la ville de Macaé, dans l'état de Rio de Janeiro, nous a écrit « À travers le programme, en annonçant l'Évangile éternel, nous pouvons en tirer des grandes leçons pour nos vies et la certitude que le grand jour arrive. » Amen. Et Francisco Junior, de Ceará, Fortaleza, a dit « Cette programmation édifie notre foi en éclaircissant des doutes et nous enseignant davantage sur l'amour de Dieu. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires. Nous avons parlé sur Jésus à l'Ancien Testament et le salut en montrant la richesse prophétique entre des figures de l'Ancien Testament, le ministère du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer ce sujet en parlant encore sur le tabernacle. Au compte de plusieurs participations que nous avons reçues, nous allons apporter quelques autres aspects sur les rideaux, l'autel des holocaustes et la bassine, l'évier de bronze. Je profite, Daniel. Vous voyez tous ici une maquette illustrative du tabernacle. Exactement. Donc, nous allons maintenant, pendant la programmation, nous allons faire quelques références à cette maquette. Nous allons interagir en montrant les aspects prophétiques pour notre édification. Nous allons lire un texte de la parole de Dieu en Exode 25, 8, 9, qui nous dit « Et me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux, selon à tout ce que je te montrerai comme modèle du tabernacle et comme modèle de tous ces vases, ainsi même tu le feras. » Nous avons montré un plan qui va apparaître maintenant à l'écran, dans ce voyage jusqu'à cette région. C'est un tableau qui montre donc le parcours du peuple d'Israël quand ils ont quitté l'Égypte jusqu'à la terre de Canaan, qui était un accomplissement d'une promesse de Dieu envers son peuple, le peuple d'Israël. Et ça a été, Daniel, à partir de cette sortie d'Égypte que Dieu a révélé
l'édification et l'utilisation du tabernacle. Et regardez bien. Donc, cette expérience avec le tabernacle a continué après l'arrivée de la terre promise et ainsi pendant les années jusqu'à la construction du temple. Pendant tout le tabernacle, il est important de souligner qu'il y avait une proposition prophétique de présenter le Seigneur Jésus, comme présenter le Seigneur Jésus à travers les matériaux, les ustensiles et les endroits qui étaient utilisés. Nous voyons cette figure illustrative du tabernacle et toutes ces parties ici apportent prophétiquement, apporte des aspects prophétiques selon ce que le Seigneur a révélé. Il est important, Sergio, d'observer, et nous pouvons même utiliser la maquette, qu'au moment de passer par le premier jeu de rideau, on retrouvait déjà l'autel des holocaustes, qui c'est cet objet-là, en montrant prophétiquement le Seigneur Jésus comme la porte du salut pour le pardon des péchés. Il y avait le deuxième jeu de rideau qui était là, qui donnait accès au lieu saint, qui pointait prophétiquement que seulement à travers le Seigneur Jésus, l'homme, il y a l'intimité avec Dieu. Et le troisième jeu de rideau, parce qu'il se trouve à l'intérieur du tabernacle, qui ramène le Saint des Saints, où Dieu, il manifestait sa gloire, en indiquant prophétiquement que seulement par le Seigneur Jésus, l'homme, il peut avoir accès à la gloire de Dieu. Et ces trois jeux de rideaux que tu as cités avaient les mêmes couleurs, qui étaient bleu, pourpre, cramoisi et la couleur blanche, qui en vérité, c'était le lin fin retors, en apportant un aspect prophétique notable sur le Seigneur Jésus et les quatre évangiles, comme il est montré ici dans ce tableau. La couleur pourpre parle de la royauté du Seigneur Jésus, ce qui est marqué, Daniel, dans l'évangile présenté par Matthieu. Le cramoisi qui pointe prophétiquement, donc cette couleur cramoisie pointait prophétiquement vers le sacrifice du Seigneur Jésus, le sang qu'il a versé. Et cela fait référence à l'évangile de Marc, le lin, la couleur blanche, la sainteté, Jésus comme un homme saint, l'homme parfait, qui a été très bien présenté par Luc dans son évangile, et la couleur bleue qui prophétiquement pointe vers la divinité. L'évangile de Jean présente Jésus comme le Fils de Dieu. Et en tout cela, nous pouvons voir la gloire de la révélation de Jésus à l'Ancien Testament, la richesse, l'autel des holocaustes, qui était l'endroit du sacrifice, et aussi le plus grand objet du tabernacle, représentait prophétiquement la croix du calvaire, c'est-à-dire le pécheur devant le sacrifice du Seigneur Jésus, Sergio, en rappelant que l'autel, il était fait en bois, revêtu de bronze, comme nous voyons ici dans la maquette, après le premier jeu de rideau, l'autel qui montrait aussi de manière prophétique le caractère du Seigneur Jésus comme un homme. Le Seigneur Jésus, il a laissé sa gloire, il est venu à ce monde afin d'être sacrifié, de verser son sang en vertu ou pour le pardon de nos péchés. Et tel comme elle est registrée dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 53, verset 7, qui nous dit: Le Seigneur Jésus, il a été opprimé, mais il n'a pas ouvert sa bouche. Regardez bien la prophétie, Sergio. Tel comme un agneau, il a été amené à l'Holocauste. À l'autel de l'Holocauste, où les victimes étaient amenées pour le sacrifice. Le prophète, il dit encore, comme la brebis muet
devant ceux qui l'attendent et n'a pas ouvert sa bouche. Donc, mes bien-aimés, la vie du Seigneur Jésus a été donnée en son humanité et humilité afin du salut de l'homme. Gloire à Jésus. Et nous, nous avons déjà dit à propos du matériel qui était utilisé à l'autel, mais il est important de rajouter ici cet autel qui est fait en bois, qui montre déjà cité l'humanité du Seigneur Jésus, mais aussi c'est une prophétie sur quelque chose que l'homme a reçu à travers le sacrifice du Seigneur Jésus. De la même manière, observez, le sang de la victime était versé sur le bois de l'autel des holocaustes. Le sang innocent du Seigneur Jésus, il a été versé sur la croix pour le pardon de ma vie, pour le salut de votre vie et salut du pécheur. C'est pour cela, Sergio, qu'il est important de rappeler que l'homme, il a besoin d'avoir la conscience à propos du sacrifice du Seigneur Jésus. Et un des aspects du salut, c'est la transformation de la compréhension de l'homme à propos de Dieu. C'est la nouvelle vie. Nouvelle vie qui nous arrive à travers Jésus. Après l'autel des holocaustes, nous avons vu ici dans la maquette, il y avait cet évier en bronze, cuivre, un évier aux bassines avec de l'eau. Donc regardez, le sacrifice était fait ici, et ici, le sang de la victime. Dans la séquence, le sacrificateur, il utilisait l'eau de la bassine de bronze pour laver les mains afin qu'ensuite il pouvait manipuler ce qui était sain. Observez, bien-aimés, que le lavage ou nettoyage dans la bassine de bronze, comme on voit ici à l'écran, c'est une symbologie prophétique de la justice de Dieu. Dieu, il justifie l'homme à travers le nettoyage réalisé par le Saint-Esprit, tel comme Paul a écrit dans la lettre à Tite, chapitre 3, verset 5, qui nous dit, selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le lavage de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Donc le texte, Sergio, donc dit, il nous a sauvés par le lavage, par le nettoyage de la régénération et pour le renouvellement du Saint-Esprit. C'est-à-dire, cet acte ici historique, en principe, là-bas dans l'évier en bronze, s'est accompli pendant le ministère du Seigneur Jésus et dans l'action de l'œuvre de son Saint-Esprit. Même pourquoi les eaux de la bassine en bronze pointaient aussi prophétiquement, regardez bien, vers le baptême dans les eaux. Il n'existe pas de justification sans transformation de vie. Il n'existe pas de justification sans nouvelle naissance. Et cela nous fait rappeler ce qui est enregistré dans le psaume 24 qui dit, qui montera à la montagne du Seigneur ou qui sera dans son endroit saint? C'est la réponse qui se trouve dans le propre psaume qui dit, c'est lui qui va monter au lieu saint, qui est le tabernacle. C'est lui qui est pur de main et pur de cœur. C'est exactement cela, Sergio. Cet acte que le sacrificateur, les Lévites faisaient du nettoyage, laver les mains, afin d'entrer dans le lieu saint, cela, dans l'intimité avec Dieu, dans la présence de Dieu, que nous faisons aujourd'hui par la foi en Jésus. Donc, il est nécessaire d'avoir quoi? La même chose que le psalmiste prophétise. Un cœur pur, les mains pures, parle d'un témoignage d'une véritable foi en Jésus. Pas seulement cela, de l'instrumentalité dans la présence de Dieu. Et le cœur pur représente une vie intérieure en sainteté et en amour et en gratitude.
Nous allons entendre maintenant une louange. Et je vous invite, j'invite vous à chanter avec nous, participer de cette louange. La thématique de cette louange, le titre, c'est Laisse-moi pleurer à tes pieds. Pleurer dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur, c'est une promesse merveilleuse. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Parce qu'ils seront consolés. Deixa-me chorar aos teus pés. Deixa-me sentir o teu amor. Senhor, Senhor, sem o teu amor não sei viver, sem a tua graça eu não sou feliz. Autor da minha fé, pois consolas minha alma, o teu ser me acalma, ó Senhor. Deixa-me chorar aos teus pés. Deixa-me sentir o teu amor, Senhor, Senhor. Sem o teu amor, não sei viver. Sem a tua graça, eu não sou feliz, feliz. Te amo, ó Senhor, autor da minha fé. Teu ser me acalma, ó Senhor. Te amo, ó Senhor, autor da minha fé, pois consolas minha alma, o teu ser me acalma. Ó Senhor, deixa-me chorar aos teus pés. Glória a Deus. Glória a Dieu, Louis, soit le nom du Seigneur. Juste après la bassine en bronze, comme on voit ici dans la maquette illustrative, il se trouvait la tente du tabernacle, où la première partie était le lieu saint, et juste après, le saint des saints. Et dans l'image qu'on voit ici au tableau, Daniel, on voit dans une coupe, dans cette illustration, le deuxième endroit, le lieu saint, et le troisième endroit, qui était les saints des saints. Cette tente, selon on voit ici dans la maquette du tabernacle, elle avait une couverture telle comme elle est enregistrée dans le livre d'Exode 26, verset 1.
Et, verset 1. Et le tabernacle, tu le feras de 10 rideaux de lin fin retors, en bleu, pourpre, cramoisi, avec les chérubins, tu le feras d'œuvre préparée. La couverture externe, selon la maquette ici illustrative, elle était visible aux yeux de n'importe qui entrait dans la cour. Celui qui voulait contempler la beauté du tabernacle, il devrait entrer à l'intérieur. Et plus les personnes étaient reliées au tabernacle, plus de beauté et plus de splendeur elles voyaient. Et cela, il y a aussi, de la même manière, un aspect prophétique notable. Regardez bien, plus on entre dans la révélation, dans la parole de Dieu, plus nous découvrons les mystères du Seigneur, le projet de salut à travers la foi en Jésus. Et à cette époque, ces jours, le tabernacle, seulement le sacrificateur, les Lévites, comme la maquette illustre, pouvait entrer dans le lieu saint. Et dans les saints des saints, seulement le souverain sacrificateur, cela une fois par an, il pouvait accéder. Mais donc, ça, c'était au passé, à l'Ancien Testament, que prophétisait, parce que notre sujet, c'est Jésus à l'Ancien Testament. Après que le Seigneur Jésus est venu au monde, il a établi son ministère et le salut par le sang qui lui, il a versé la croix. Là, il nous a fait, le Seigneur Jésus nous a fait des rois et sacrificateurs. C'est-à-dire, la restriction à l'entrée dans la tente qui était réservée aux sacrificateurs et dans le Saint des Saints, une fois par an, au souverain sacrificateur, cela n'existe plus. À l'époque, c'était seulement une tribu choisie qui pouvait entrer. Mais comme il est écrit en Apocalypse, chapitre 1, verset 6, et il nous a fait rois et sacrificateurs pour Dieu et son Père. Comme sacrificateurs devant Dieu, nous avons le privilège de connaître le tabernacle prophétique qui est le Seigneur Jésus et de comprendre beaucoup plus davantage les mystères révélés. Gloire à Jésus. Comme nous avons déjà dit, la tente, elle avait une couverture formée par plusieurs couches. La première couche, la voici, elle était faite de peau de teshugo, comme il était enregistré à la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 26, verset 14. La couverture de poids de teshugo, elle était plus épaisse parce que c'était une protection contre les intempéries donc du désert, le soleil, le vent. Donc, la poids de teshugo plus épaisse protégeait les autres qui étaient sur elle. La couverture de pied de poids de teshugo qui était sur les autres nous parle du Seigneur Jésus, de la manière comme l'homme du monde le voit. L'homme, sans l'expérience avec le Seigneur Jésus, qui n'est pas rencontré dans le tabernacle prophétique de Dieu, parce qu'on peut voir cela seulement par la révélation, il ne voit aucun point d'attraction dans le Seigneur Jésus. Même pourquoi le Seigneur Jésus était un homme simple, fils d'un charpentier, quand il est entré à Jérusalem, dans la partie qu'on connaît bien, qui c'est l'entrée triomphale, il était monté sur un jument qui ne savait pas à qui appartenait. Quand le prophète Isaïe prophétise sur le Seigneur Jésus, dans son livre, au chapitre 53, il dit que le Seigneur Jésus était comparé à la racine d'une terre desséchée, sans apparence, sans formesure, le plus rejeté des hommes. Mais la question qui, attention, Serge, de tout ce qui nous regarde, c'est que malgré le fait qu'il n'avait pas d'apparence ni beauté apparente, comme dit le prophète, tout ce qui venait au Seigneur Jésus le connaissait, il était impressionné.
Il était admiré. Comme nous montre la Bible, voici véritablement le prophète qui devrait venir au monde par une phrase qui a été dite sur le Seigneur Jésus. Dans une autre occasion, un groupe de personnes a dit « Jamais aucun homme a parlé comme cet homme. Gloire à Jésus. » Il est notable le parallèle prophétique qui existe dans l'autre couverture qui était faite de peau de bouclier et teinte de rouge qui représentait la croix dans laquelle le Seigneur Jésus a versé son sang par le pécheur. Le Seigneur Jésus a été couvert du sang expiatoire. Le Seigneur Jésus, il a souffert. Ce qui est enregistré par le prophète Ésaïe, chapitre 56. Il a pris sur lui nos maladies. Il a été blessé par nos transgressions. Il avait aussi la couverture faite avec la peau des chèvres qui n'était pas vue, en rappelant que un des animaux utilisés dans le sacrifice était exactement la chèvre, comme est enregistré dans le livre de Lévitique, chapitre 22, verset 29. La couverture de pelle de chèvre qu'elle a, c'est une illustration. Et on montre chacun des couvertures. Et cette couverture, c'est un type prophétique de la sainteté du Seigneur Jésus. Mais cette sainteté, cela est très important, la sainteté du Seigneur Jésus doit être cherchée par l'homme. Celui qui souhaite le salut doit chercher la même sainteté, telle comme elle est enregistrée dans la Bible, en 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16. « Mais comme il est saint, celui qui vous a appelé, soyez vous aussi saints en toute votre manière de vivre. Car il est écrit, soyez saints, parce que moi je suis saint. » C'est-à-dire, ce que le Seigneur a vécu, nous devons vivre dans cet évangile, dans son chemin. En vérité, le Seigneur Jésus, il est saint, saint, saint. Et ce rappel est enregistré dans la couverture en peau de chèvre. L'Église sanctifiée s'éloigne du monde parce qu'elle sait que le monde est incompatible avec les préceptes bibliques. Une autre chose, le péché, il n'entrera point dans l'éternité. Selon, il est enregistré dans la Bible, en Apocalypse, chapitre 21, verset 27, qui dit, il n'entrera pas en elle, n'elle où, à l'éternité, dans la sainte ville, aucune chose qui contamine l'abomination, le mensonge, le péché n'entre pas. On ne peut pas laisser de mentionner l'autre couverture qui était sous la tente, faite de fin lin retors et un tissu bleu, pourpre et cramoisi. La préoccupation de Dieu était laquelle? Était que la vertu prophétique du Seigneur Jésus était bien enregistrée ici. Et en vérité, il est important aussi, Daniel, de rappeler que, comme nous avons déjà vu dans le tableau précédent, le fin lin parle de la sainteté, le bleu de la divinité, la pourpre, la couleur pourpre parle de la royauté et le cramoisi du sacrifice du Seigneur Jésus. Jésus, l'homme parfait, le Fils de Dieu, roi et sacrificateur. Tout était prophétisé aussi dans ces couvertures. Jésus est l'Ancien Testament. Cet enseignement du tabernacle, sans doute, est de grande valeur et beauté. Il fait référence prophétiquement au Seigneur Jésus et nous apporte diverses autres révélations du Seigneur Jésus à l'Ancien Testament et le salut. À partir de la prochaine programmation, nous allons entrer dans le tabernacle. Nous sommes déjà passés par le
le premier rideau qu'on accédait à la cour. Nous avons vu l'autre rideau, l'autel des holocaustes, la bassine de bronze et les couvertures de la tente. Chaque pas que nous donnons, nous entrons davantage dans la parole de Dieu, spécifiquement dans le tabernacle. Les mystères et secrets sont révélés par le Saint-Esprit. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Dans la prochaine programmation, nous allons donner la continuité à cette thématique. Jésus à l'Ancien Testament, à travers les aspects prophétiques du tabernacle. Il y a une richesse inépuisable de cette thématique. Il y a une interaction entre le tableau Leçon du Manaïm et l'école biblique dominicale de l'église chrétienne Maranatha qui se passe tous les dimanches à 10h du matin par notre canal YouTube. Continuez avec nous en regardant la programmation en annonçant l'évangile éternel avec les tableaux qui vont suivre. Vous pouvez voir à nouveau à l'écran le code, le QR code. Vous pouvez approcher la caméra de votre smartphone de ce QR code. Vous allez être dirigé vers un numéro de WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message, suggestion, témoignage ou expérience. Participez. Envoyez votre expérience, votre suggestion, votre question. Cela est très important pour nous. À tous, la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur. Développer l'autonomie des enfants avec le syndrome de Down et déficience intellectuelle, c'est la thématique qui sera abordée dans le tableau Accessibilité d'aujourd'hui. La paix du Seigneur Jésus, je suis Yara Griffaut et avec d'autres frères et sœurs, j'intègre le groupe de travail d'accessibilité de l'Église chrétienne Maranatha. En donnant la continuité à la séquence de vidéos sur le développement des personnes avec déficience, nous allons parler du syndrome de la trisomie et la déficience intellectuelle. C'est un problème de cognition, moteur et du comportement au-dessus de son âge. La déficience intellectuelle est classée en petit, moyen et profond. Le développement d'une personne qui porte ce syndrome est lié avec ses degrés de déficience. La trisomie, ce syndrome, donc, est dû au problème de la présence d'un chromosome supplémentaire dans la paire 21. Les individus peuvent avoir des comportements singuliers, retard de développement moteur, et la principale caractéristique, c'est la déficience intellectuelle. La T21 n'a pas de degré, elle est classifiée par type, trisomie simple, trisomie par transmutation et trisomie par mosaïque. La T21 est la plus grande cause de déficience intellectuelle. Les personnes avec déficience intellectuelle présentent des difficultés d'apprentissage liées à abstraction, de la pensée logique, difficultés de se planifier, résoudre des problèmes, c'est-à-dire beaucoup de problèmes pour exécuter. En parlant de l'autonomie, qui est l'habilité de faire des choix, organiser sa vie, la famille doit être très présente pour aider dans ces points. La personne qui porte le T21 et déficience intellectuelle a des meilleurs résultats en utilisant des pistes visuelles, auditives, en associant plusieurs vies neuronales au même instant. Mais la piste visuelle, c'est le grand allié de l'apprentissage. Donc, nous devons utiliser beaucoup le tableau de routine. C'est un excellent exemple de piste visuelle. Il est important pour anticiper et décrire ce que l'enfant ou adolescent va faire. Il gère la prévision. Mais l'indépendance de chaque action, par exemple laver les mains, se brosser les dents, prendre sa douche, il est nécessaire la pratique et la répétition
du pas à pas présenté dans les diapositives. L'apprentissage entoure trois R, routine, répétition et régularité. Pour finir, des pistes visuelles comme la méthode multigeste, la méthode des doigts, donc aide au développement de la communication. Dû à notre temps restreint ici, nous avons quelques exemples comment aider dans l'apprentissage de l'autonomie et indépendance. Nous allons donner plus de détails dans d'autres vidéos qui seront postées dans le canal YouTube de l'Église chrétienne Maranatha. À tous, la paix du Seigneur. Nous allons apprendre à jouer de la guitare. C'est ça le moment. Aujourd'hui, la professeure Janaïne va commencer à enseigner cet instrument qui est si utile dans le jour à jour de l'Église. Prenez votre instrument et allons-y apprendre. Entendez. Je salue toutes les classes, tous les frères et sœurs et à vous aussi qui nous accompagnent dans la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons une nouveauté, mais avant, nous allons vers le moment si attendu pour nous tous. Par nous tous, assistez à quelques vidéos que vous nous avez chaleureusement envoyées. Je profite pour dire que vous allez très bien. Loué soit le nom du Seigneur. Nous allons regarder. Marcio Neto, de 14 ans, et Julia Souza, de 7 ans, de Divinópolis, Minas Gerais. Minas Gerais. Celle-ci, c'est Kezia de Vitória, Espírito Santo. Espírito Santo. Celui-là, ce sont les cousins David et Francine de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Cette petite, c'est Valentina Peredo, de 4 ans, Santos, São Paulo. São Paulo. Celui-ci est Felipe, de 7 ans, Ponta Grossa, Paraná. Paraná. Luisa de la Silva Biscati. Tramandaí, Rio Grande do Sul. Grande do Sul. Delfina, do Buenos Aires, Argentina. Argentina. Glória a Deus. Mas qual é a novidade? Nous avons déjà appris de manière simplifiée quelques louanges dans les instruments choucalho, demi-lune, flûte douce, la mélodica. Maintenant, nous allons apprendre à la guitare. Donc, d'une manière simplifiée et objective, allons-y connaître un peu plus cet instrument. La guitare, c'est un instrument à cordes, avec une boîte généralement construite en bois qui génère une acoustique qui facilite la propagation du son. Nous allons voir les parties de la guitare. Ici, nous avons la tête. Celui-là, ce trait, c'est la pestana. Nous avons aussi les cases. Celui-là, sont les trastes. Ici, nous avons le bras de la guitare, la bouche, le cavalette et la boîte. Maintenant, nous allons connaître les cordes de la guitare. La guitare a deux types de cordes, de nylon ou en acier. Nous commençons à compter les cordes de la plus fine vers la plus grosse, plus épaisse. Nous appelons la plus fine de première corde. Donc nous avons Mi pour la première corde, la note Si
quand on joue la deuxième, sol, la troisième, ré, la quatrième corde, la, la cinquième corde, et mi, la corde. Afin de pouvoir jouer cet instrument, nous allons apprendre sur la cifre. Regardez quelle merveille! Vous connaissez déjà notre cahier de chant cifré, annoté. Celle-là, c'est le cahier de niveau 1. Elle a tout le chant avec des annotations, avec des cifres. La cifre, c'est un système de notation musicale utilisé pour indiquer à travers des symboles aux lettres les notes à être exécutées par un instrument musical. Observez donc, les chiffres sont placés sous la ligne, donc la lettre de la louange. Donc, séparez votre instrument afin que dans la prochaine étude, nous puissions apprendre la louange. Viens vers le milieu, à tous, la paix du Seigneur Jésus. A todos, a paz do Senhor Jesus. Que le tableau des enfants intermédiaires et adolescents nous apporte toujours une thématique liée au tableau « Leçon du Manaïm ». Aujourd'hui, la professeure Sarah Azouri va parler à propos de Jésus et le chandelier en or. Le chandelier était un des ustensiles du tabernacle. Elle va vous expliquer. Tous dans la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, notre étude porte sur Jésus et le chandelier en or. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles en Exode, chapitre 37, verset 17. Il a fait aussi le chandelier d'or pur, d'œuvre battue, il a fait ce chandelier. Sa base et ses astres et ses coupes et ses pommes et ses fleurs formaient avec lui une seule pièce. Le tabernacle, il était monté pour l'adoration du Seigneur. Et là, le Seigneur, il faisait de cet endroit une habitation pour lui. À travers toutes les fois que ce tabernacle était monté, le peuple d'Israël qui marchait par le désert, il montait ce tabernacle pour adorer le Seigneur. Il était constitué de plusieurs lieux. Après la porte, il y avait la cour externe. Après, il y avait l'endroit saint, qui était la photo
on voit, on coupe ici pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans. Mais en fait, il était complètement fermé. Il y avait la table des points de proposition, l'autel de l'encens et le candélabre en or. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que présentait ce candélabre en or. Qu'est-ce que cet ustensile était si important pour nos vies aujourd'hui? Quelle est l'importance de cette liaison? Le candélabre en or, le chandelier qu'on voit ici dans la photo, il y avait les flammes qui devraient être toujours allumées. Et cela est un commandement du Seigneur. Ces flammes allumées, parce que le sacrificateur, tous les jours, il allait et il mettait l'huile dans cet endroit. Et le chandelier, il se trouvait dans le lieu saint. Et c'est quoi être saint pour nous? Saint veut dire être séparé, séparé des choses du monde, séparé du péché. Et la parole nous enseigne que nous devons être saints afin de voir le Seigneur Dieu. Et c'est pour cela que chaque jour qui passe, nous devons chercher à être séparés, avoir la sainteté. Et ainsi, cette lumière, elle ne pouvait jamais s'éteindre. Aujourd'hui, nous pouvons voir que cette lumière, la lumière qui illumine nos chemins, la lumière de ce monde est qui? La lumière de ce monde est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est la lumière du monde. Cette lumière qui nous dirige, cette lumière qui illumine nos vies. Et même si ce chandelier devrait avoir la lumière toujours allumée dans notre vie, c'est comme ça aussi. Jésus qui habite dans nos cœurs, ainsi comme il habitait dans le tabernacle, la lumière qui est Jésus doit être toujours allumée. Jésus, il doit trouver habitation dans nos cœurs. Mais comment nous pouvons faire afin que cette lumière soit toujours allumée? À cette époque, le sacrificateur, il mettait de l'huile. Aujourd'hui, l'huile que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Nous devons demander toujours à Dieu la présence du Saint-Esprit sur nous. Parce que c'est lui qui va laisser que la lumière qu'est Jésus va toujours briller sur nos cœurs. C'est pour cela que nous devons être chaque jour fidèles au Seigneur. Parce que tel comme notre cœur est toujours remerciant au Seigneur, rempli du Saint-Esprit, c'est comme cela que le Seigneur veut retrouver notre cœur. Que notre cœur soit ainsi toujours. Afin que quand le Seigneur Jésus va revenir, il puisse voir dans nos cœurs sa lumière. La lumière qui illumine notre chemin. Que aujourd'hui, vous puissiez laisser à ce que Jésus puisse faire habitation dans votre cœur, que vous puissiez demander davantage du Saint-Esprit afin que la lumière qu'est Jésus dans votre cœur soit toujours allumée. Ela venha ficar sempre acesa. Nous avons une mission biblique, prêcher l'évangile à toute la créature.
ramener jusqu'à vous la condition pour connaître véritablement à Dieu. Donc, si vous êtes touché par le message transmis à travers cette programmation et vous souhaitez connaître l'Église chrétienne Maranatha et avoir une expérience réelle avec le Seigneur Dieu, je veux vous rappeler, connaître Dieu, c'est beaucoup plus que connaître théologie ou philosophie ou même des religions. C'est d'avoir une expérience réelle avec lui. Nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez gratuitement à n'importe quelle heure de la journée ou du soir vers ce numéro 0800 60 7 30 76. Ce numéro est exclusif pour répondre à tous ceux qui ne sont pas membres de l'Église chrétienne Maranatha et qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Je veux vous avertir que nous avons déjà des cultes présentiels dans toutes les églises chrétiennes Maranatha du Brésil. Vous êtes notre invité à participer au mercredi et jeudi à 19h30 et les samedis et dimanches à 19h, mais toujours en prenant les précautions nécessaires pour ce moment. Mais nous allons continuer à transmettre tous les jours un culte inédit par notre canal YouTube. À 20h, vous ne pouvez pas laisser d'assister. Je veux vous donner une nouvelle et au même instant vous faire une invitation spéciale. Dans notre canal YouTube, ce samedi, le 3 octobre, sera transmis un culte de glorification spéciale. Le long des dernières semaines, des centaines de nouveaux pasteurs et ouins ont été levés dans tout le Brésil et à l'étranger. Et ce samedi, nous allons transmettre un culte de glorification au Seigneur pour une victoire de plus de son œuvre. Pendant tout le mois de septembre, des réunions pour des consultations ont été faites dans à l'Église chrétienne Maranatha avec la participation de l'Église chrétienne du conseil presbytéral et des pasteurs de tout le Brésil à l'étranger pour évaluer les candidats qui a résulté dans son grand saut pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes très joyeux pour ces résultats qui marquent une nouvelle phase dans la vie de toutes nos églises. Ne ratez pas, la transmission sera ce samedi à 19h par l'horaire du Brésil à travers notre canal YouTube. Et vous aussi, vous pouvez nous suivre par l'Instagram, Facebook. Vous pouvez télécharger les applications de la radio Manaïm de l'Église chrétienne Maranatha. Vous pouvez accéder à nos sites et connaître davantage l'Église chrétienne Maranatha et connaître nos expériences, connaître les événements qui sont effectués dans tout le Brésil et aussi à l'étranger. Et dans l'application de la radio Manaïm, vous pouvez encore écouter des louanges 24 heures par jour et vous pouvez assister et partager les podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et je veux vous rappeler que tous les dimanches, le matin, à 10h, dans notre canal YouTube, c'est transmis l'école publique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Ne ratez pas. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble à nouveau à cette heure-ci avec une nouvelle édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha. On annonce l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Jésus vient.